After a couple of hours of lying in shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. No, keep going. That's a girl. Stay calm, all right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You better be shitting me. Me and Raul, Passos you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. I'm sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh. Raja, chef. I don't think these guys are here for your baby shower. Down. Stay out of sight. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play de Max Payne 3 sur PC. On va continuer à tirer sur des gens qui vous avez pour l'instant rien fait mais qui comptaient vous faire du mal. Donc on va enchaîner les headshots et nettoyer toute cette zone là. Comment dire que les mecs là, ils ne rigolent pas. Là je vous nique. Si je peux viser sa tête, je suis sympa. Je dois bien passer. Listen to me, it's gonna be okay. Just calm down, I said. Calm down? Are you out of your mind? Bravo, bitch, la puta! Opérez, va! You can't kill us! Giovanna, just wait there! I'm gonna be here soon. There isn't going to be a soon. If we stay here, we have to move. C'est une blague cette femme. Qu'est-ce qu'elle fout enfin? On va se faire buter à cause d'elle. Bon. Alors, elle est un peu, hein, un peu tarée elle. On va. Parce que vous avez vu, elle part comme ça à découvert. Non, sans déconner quoi. Il peut y avoir n'importe qui. Mais il y a n'importe qui. C'est bien ça le problème. Alors là, on avait une arme en or récupérée, mais non, pas leur jaune. Si vous leur jaunez, vous pouvez plus la récupérer l'arme en or, donc faites gaffe. Alors, là où vous allez. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai dû faire une petite coupure parce que, comme un con. Comme un con, en fait, bah.
En fait, je suis parti trop tôt. Et du coup, bah, j'ai pas récupéré l'arme en or. Du coup, bon, bah, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça a coupé. Enfin, je vous ai dû voir parce qu'il n'y a plus de cadavres sur le sol. Donc, c'était très bizarre. Alors, là, par contre, ici, cette scène-là, je la trouve assez hard. Parce qu'il y a quand même vraiment de monde ici. Éviter de pas trop perdre de vie. Bon, ça va, on a démarré le niveau, vous avez vu, avec beaucoup d'antidouleurs. Tant mieux. C'est pas une raison pour mourir. Il en reste encore un. Ah là. C'est bon, c'était de l'herbe. Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. C'est sûr que là, si on voulait pas être découvert, c'est mort. Hein. Vraiment, on n'a pas été les plus discrets pour nous. Going about as well as day one. An army of paramilitaries and only my face made the front page. More publicity I didn't need. Allez, on va la rejoindre parce qu'elle est en train de s'inquiéter, la pauvre. Je crois qu'elle est normalement elle est derrière le bus. Elle est là. Enfin, quelque part par là. Ah non, il faut aller la rejoindre. Il faut l'amener. Bien sûr qu'elle va pas partir d'elle-même. Oh my God, Max. Come on. What's going on? I don't know, but we gotta get the hell out of here. Let's go. We're not going to make it, are we? We'll be fine. We just gotta lay low till Passos gets here. This wasn't looking good. What the hell were Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves? Guess their plan was no more idiotic than mine. And I couldn't really fault them for losing faith in the Bronco's security detail. We just checked this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. All right. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. And I guess that meant neither could I. Well done. Janaba. Stay close and keep quiet. God damn it! He's coming sino la sacada! Et ils vont pas nous lâcher, hein, je vous dis, hein, de suite. Alors, on va tous les buter. Alors, il y en a qui arrivent sur le côté, donc tuez-les aussi. Je crois que lui va mourir. Hein. Ouais, c'est bon, il est mort. Room? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. En espérant bien évidemment que personne ne se ramène d'ici là. Ça serait dommage. Alors ici, il est même pas caché. Il est posé au sol. Pièce de l'arme en or. Est-ce qu'il y a des objets de soins ici? Je ne pense pas. Bon, là j'en ai 5, donc ça va, c'est pas mal. Allez, vous savez quoi, on va continuer. Bon, pour le coup, c'est pas une mission qui est très longue non plus, hein, celle-ci. La prochaine, par contre, sera un peu plus longue. Oui, mais bien sûr, tirez-moi dessus, je vous ai rien demandé, moi. Alors, regardez ici, il y a des mecs,
Hop là, sous le bus. Il n'y a plus personne. Enfin, si, il y a toujours lui, mais il est mort. Donc, il y a quelques bus comme ça que l'on peut, faire tomber. C'est sympa de les faire écraser comme ça. Il y a un mec sur la droite là. Oui, il y a un mec sur la droite, merde. Deux mecs sur la droite, d'ailleurs. Il y a un mec au fond encore. Enfin, même si je saute, j'ai peur de. Non, c'est bon. Enfin, j'ai peur de me faire arroser, mais non, c'est bon. Et comme si elle suffisait pas, on a encore plein d'ennemis. Alors on va vite se cacher là. Il faut peut-être au moins caché quelque part. Ça verra rien s'il y a comme des mecs là. Oh putain, ça va exploser. Ah, t'es sûr. Je suis pas caché au meilleur endroit, moi, tiens. Bon, on va recommencer là. Chaud ici là en fait là. Bon, oui, bon jeu. Si il faut en fait, faut que je me cache là. Voilà. Alors là ils sont deux. On va en dégager deux comme ça. Normalement ils sont censés arriver tout de là-bas. Hein, donc, ah mais ça il n'y avait que trois. D'accord. Are you okay? I think so. There must be a way to drop those stairs down. Wait a second. I'm going to try something. Pas de ressources en tout cas elle. Hein. Alors, avant de se barrer ici, elle est un peu cachée, c'est encore une fois une pièce d'arme en or. Alors attention, on va juste récupérer quand même tout ce qui traîne. Peut-être un objet de soin quelque part ou. Des munitions, on va en avoir besoin, c'est sûr, parce que c'est pas fini encore. Hein, toutes ces phases de combat dans cette mission, il va y en avoir encore pas mal. Ah, peut-être ici dans le local. Il y a peut-être... Ah, voilà, regardez, il y a un Tajik ici. Breakfast of Champions. Voilà, là maintenant on peut monter. On peut redescendre hein, si jamais on a oublié quelque chose. On peut toujours aller les récupérer. Ici, encore un antalgique, et on a surtout de la possibilité de regarder. Alors, c'est que celle-là qu'on peut regarder, voilà. Regarder de la télé. Ah non, mais je suis con, je regarde les écrans d'ordi. C'est celle-là, télé qu'il faut regarder. As Aventuras do Captain Baseball Bat Boy, episódio 204. Nosso herói idoso encontrou o esconderijo do Saci, onde ele mantém sua namorada, Bicycle Helmet Girl, como refém. Yes! Ela não é minha namorada! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, Captain Baseball Bat Boy! Mesmo sendo um velho rabugento que ainda usa roupas de jovem! Mas quase ele não consegue levantar o taco. Quando de repente ele tem uma ideia brilhante. Eu tô velho demais pra usar esse taco. Tá na hora de trocar por algo que um velho usaria. Captain Baseball Bat Boy sacou o seu melhor taco de golfe. Acorda! Acorda! Assista ao próximo episódio para ver as incríveis aventuras do Captain Baseball Bat Boy!
with little hope that things will improve in the next 18 months. A report by human rights organizations documents evidence that up to 200 residents have gone missing from Sao Paulo's low-income neighborhoods in the past 3 months, an issue which they say is being ignored by both police and city officials. More Latin American news after this. Hotel Mona. An unforgettable place to stay. Oh, ça me semblait vachement utile de faire la tête, faire relater tranquille alors qu'il va peut-être se faire tuer. Mais ça me semblait important de, d'écouter la suite d'aventure de Captain Baseball, vraiment. Je peux pas faire sans pour le coup. Alors, ça continue ici, hein, bien entendu. Il y a toujours des gens ici qui veulent tirer dessus. Vraiment trop bas quand même, hein. Où qu'ils sont les autres là? Ah, il est là. Ils sont là plutôt. Our day had started with us hiding in filth. And got progressively worse. My luck was running true to form. Or rather, I was running true to form. Je veux pas qu'il parle de sa chance, parce que lui, il en a vraiment, vraiment pas le pauvre. Dans le bus. En fait, rien n'est caché dans ce niveau, c'est dingue. Tout est dans des endroits assez évidents. Tout le monde va sur mon bus, vraiment, on y va, quoi. Y a rien de caché, vraiment. C'est vrai que je récupère des missions parce que je pense que je vais la perdre cette arme en fait. Should we wait here for Passos? No, it's not safe enough. Come on. You're the one breaking in. No, you're the one breaking in. Come on. Get your leg up. Ready? You got it? Open the door. Je veux pas faire le mec un peu chiant, mais il aurait quand même pu grimper, hein. Vraiment, c'était pas très haut, hein, vraiment. Je sais pas ce qu'il nous fait là, ce Max, mais bon, il faire un petit effort quand même. Ah, il aurait perdu les armes, et oui. Bien sûr. Alors, deux moins déjà, allez hop. Soigner là, hein. Parce qu'il y a plus de vie. Non, c'est là, je peux pas mettre à couvert ici. Je suis obligé d'avancer comme ça. Si je peux mettre à couvert là. Ouf, alors lui, il a rien compris. Lui, il se met pile, pile en mangeant de vision. S'il voulait mourir, c'était pas le, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Il a rien compris. Ici, nous allons là pour récupérer la dernière partie de l'arme en or. Alors ça va pas s'arrêter, je vous le dis, hein. Ça va continuer à ce fight, on va récupérer toutes les munitions possibles. Allez, on va soigner encore un peu. Ah non, c'est bon. A-t-on des objets de soins ici? Rien du tout. Là, par contre, il y a deux très bien, voilà. Peut-être un deuxième d'ailleurs, non? Pas de deuxième. She was Victor's political nemesis, and in all probability,
Sao Paulo's next mayor. Even the Broncos couldn't afford that many votes. Bon, ça, c'est le dernier collectible hein, de ce niveau. On va tout récupérer pour le... Ever shot anybody? No. Well, it's drive or shoot, sister. And right now, I reckon I'll be better at the shooting. Come on, you can do this. All right, now listen to me. I give you the word. I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax. You can do this. Ready? Go. Un bus, ça va se conduire comme une voiture, hein? Y'a pas de raison. Alors, si je fais péter la session essence là-bas, normalement, je devrais dégager pas mal d'ennemis. Voilà, comme tout ceci, par exemple. C'est la dernière séquence hein, de ce niveau, enfin la dernière soit. Deuxième partie pour la séquence en bus, mais on y arrive. Hein. On arrive à la fin. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait des mecs avec des lance-roquettes. Ah, ils sont énervés. C'est pourtant comme c'est grand parce que vraiment le bus ne va pas vite. Donc c'est assez. C'est vraiment étrange comme sensation. Building and get the passers. Tell them to wait for me now. Go. Jump. Go. Et on est parti pour la dernière séquence donc de ce niveau. C'est l'occasion de se dire au revoir, voilà, et de buter tout le monde surtout ça. Donc j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à partager si vous aimez. Et si c'est le cas, eh bien. Regardez-moi m'attraquer encore tous ces minables. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play de Max Payne 3. Allez, ciao tout le monde!
I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Oi, Max! Get in, quick! I can't believe that bastard just flew off on me. After everything we've been through, I saved his girlfriend's life. Who? Raul Passos? Yeah, Raul Passos. Yeah, I know. I thought you guys were very close. We were. Well, you know what? I did a background check. Jesus. I mean, I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. Yeah, so? So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Passos did. 6 times. Dating back to a few months before you turned up. He even paid for a ticket for him to go to New York. Why? I don't know. My guess is to meet you. But why? I don't know. Maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know. Maybe he wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? You know, I have no fucking clue anymore. Okay. Let me ask you something. What? Well, what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. I didn't know what to say. I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things had got real heavy.